L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répandent en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mardi saint, lues par Odile Thiago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Jean-Paul Lorson, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentées par Wisdom Agaï, père de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, îles lointaines. Peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël,
En toi, je manifesterai ma splendeur. Et moi, je disais, je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur. Que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 70. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Toi, le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Salut au Christ notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean 13, 21 à 33, 36 à 38. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. » Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous revivons avec Jésus cet amphore de l'histoire du salut de l'humanité à travers la passion qui nous mène à la gloire. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous contemplons le serviteur souffrant, accusé injustement, maltraité, frappé, dont seul le Seigneur est le défenseur. Dans l'Évangile, Judas livra son Seigneur pour quelques pièces d'argent. Aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société actuelle, nous pouvons nous trouver dans la peau du serviteur souffrant, de ceux dont le droit et la dignité sont bafoués. Nous pouvons également nous trouver du côté
des bourreaux qui oppressent et bafouent les droits des plus faibles. Nous pouvons être comme Judas qui échangea le maître contre quelques gratifications temporelles. Peu importe où nous nous trouvons aujourd'hui, le message du prophète est que le Seigneur prendra toujours la défense du faible, de son serviteur. Et pour chacun de nous, c'est un effort quotidien de conversion et de fidélité au Seigneur qui nous gardera sur le droit chemin. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24, en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.